guys, welcome back to my channel. Pourquoi tu es bienvenue sur ma chaîne? Donc, la vidéo d'aujourd'hui sera pour des faux amis et je vous parle des signes auxquels vous devez prêter attention pour savoir si les gens autour de vous, bien si vous avez de faux amis en fait, dans votre groupe amical. Et j'ai carrément pris des notes pour m'assurer de ne pas juste bavarder. J'ai envie de faire que cette vidéo soit un peu courte pour que nous puissions aller droit au but en fait. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne ou nouveau sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Et si vous êtes déjà abonné, activez votre cloche de notification pour toujours être notifié dès que je poste une nouvelle vidéo. Aimez la vidéo, suivez-moi sur mes réseaux sociaux, c'est Instagram, Twitter et Snapchat. Ça va dans la barre d'infos juste là en bas et aussi sur l'écran. Et si vous aimez les Girl Talk, partagez cette vidéo et laissez les pouces en haut parce que ça m'aide vraiment. Et ouais, premièrement, les faux amis sont des amis vraiment hypocrites. Des amis que devant toi, ils sourient ou bien elles sourient. Et puis, elles mal parlent. Genre, elles parlent de toi derrière ton dos en fait. Genre, elles mal parlent de toi. Ce sont vraiment des amis vraiment toxiques en fait. Genre, des amis dont vous n'avez pas besoin autour de vous. Amis ou famille en fait. Des gens en fait que vous n'avez pas besoin autour de vous. Des gens hypocrites. Des gens qui ne vous disent pas la vérité en fait. Et c'est ça. Aussi les amis qui parlent mal des gens. Quand vous êtes ensemble, il ou elle parle mal des autres en fait. Genre de leurs amis. Que tu sais genre, mais c'est ta pote, tu me parles mal de ta pote. Genre, quel est ton problème? Genre ce genre d'amis là sont aussi de mauvais amis. Parce que la plupart du temps, quand elle mal parle de ses amis avec vous, chez ses amis aussi, elle mal parle de toi. Ce qui veut dire, disons que moi, genre, je mal parle de Jordan. Quand je suis avec toi, quand je suis avec Jordan, je mal parle sûrement de toi aussi. Tu vois un peu le truc en fait. Genre, c'est un peu genre un cercle. C'est un peu ce genre de personnes là sont des gens à éviter. Genre, éviter avec grand E, éviter franchement. Des amis négatifs aussi à beaucoup éviter parce que genre, souvent, tu es de bonne humeur, mais quand tu es autour de ces amis-là, genre, ces gens, oh, pourquoi tu es si mince comme ça? Est-ce que tu manges? Ou bien pourquoi tu es si grosse comme ça? Tu as trop pris de poids. Pourtant, genre, elle ou il ou elle peut voir que, genre, tu te sens en fait. Mais, genre, ces gens d'amis se battent en fait pour te voir triste. Non, on a besoin de ce genre d'énergie. Spécialement en 2020, les amis, il faut se débarrasser de ce genre d'amis-là. Aussi les amis qui te contactent rien que quand il ou elle voit que tu as des problèmes. Par exemple, si je poste sur les réseaux que genre les hommes sont tous les menteurs ou bien les filles sont tous des folles ou bien des connes, tu m'écris pour me demander oh, qui t'a fait, de quel ami tu parles ou bien qu'est-ce que ton gars t'a fait parce que j'ai vu que tu as posté à propos des gars. Genre, ce genre d'amis là sont seulement là au camp, tu as des problèmes juste pour connaître ce qui se passe dans ta vie, pour aller mal parler de toi avec d'autres personnes. Faut vraiment vous méfier. Genre, ça fait des mois vous ne vous parlez pas, mais juste parce que tu as mis un commentaire ou bien un post à propos des hommes ou bien des mauvais amis ou bien de mauvaises compagnies, elles veulent te demander ce qui se passe dans ta vie juste parce qu'elles veulent mal parler de toi ou bien juste pour le commérage en fait. Genre, ça ne sert à rien d'avoir ce genre de personnes là. Et aussi, je ne veux pas genre terminer cette vidéo sans parler des amis qui aiment se comparer à vous. Genre, je me rappelle, j'avais une amie, elle était juste, on n'est plus amis aujourd'hui parce que genre, tu ne me sers à rien, fausse amie, j'ai pas besoin de toi, bref. Bref, c'était genre une amie. Quand je disais quelque chose, elle voulait tout se comparer. Oh, si peut-être j'ai pas fait mes ongles chez la femme qui fait mes ongles et elle pas fait ses ongles chez la femme qui fait ses ongles. Elle venait me dire, oh, la femme qui fait mes ongles fait mieux que ta part, mes ongles sont mieux que ta part, mes cheveux, ma perruque est mieux que la tienne. Tu achètes ta part ou fallait pas acheter là-bas, fallait acheter là où j'ai acheté ma part parce que ma perruque est mieux que la tienne. Genre, ce genre d'amis qui sont toujours en train de vouloir comparer. Oh, tu sais, je suis là où elle est pas bien comme la mienne. Genre, toujours en train de comparer. Genre, can you, genre, leave me alone, genre, laisse-moi tranquille. C'est pas la compétition, moi je suis Ghislaine, toi tu es toi. Arrête en fait, genre, ces amis sont vraiment à prendre en pincette. Quoi d'autre? Je crois que c'était tout, ces gens, c'est vraiment les points les plus forts que je voulais toucher aujourd'hui sur cette vidéo.
J'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo, car j'ai pris mon temps pour m'asseoir et vraiment réfléchir, écrire mes notes sur ce sujet-là. Et ouais, une fois de plus, si tu es nouveau sur ma chaîne, bienvenue. N'oublie pas de t'abonner. Tu es le bienvenu, tu es la bienvenue dans la famille G-Squad. Oh, you're the best, ok? Et aussi, si tu es déjà abonné, n'oublie pas encore une fois de plus d'activer ta cloche de notification pour que tu puisses toujours être au courant dès que je poste une nouvelle vidéo. N'oublie pas d'aimer, commenter pour d'autres vidéos, d'autres idées de vidéos que vous voulez que je filme sur ma chaîne pour vous. Et aussi, me suivre sur mes réseaux sociaux. Partagez cette vidéo parce que si vous pensez que autour de vous a une amie ou bien quelqu'un dans leur famille qui a l'un de ces caractéristiques-là, assurez-vous de partager cette vidéo parce qu'on doit se débarrasser des gens négatifs, des gens tellement hypocrites, genre fake people gotta go, des personnes fausses doivent partir, genre on a fait ça en 2020, vous connaissez déjà de quoi je parle, quoi. Period. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est tout pour cette vidéo et on se retrouve à la prochaine vidéo. Bye.